Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 20 de Au coin du Blu-ray. Épisode 20 qui reste donc dans la lettre I. Comme j'ai évoqué la dernière fois, la lettre I, j'ai quelques trucs plutôt intéressants. Je dois avouer, comme ça, il n'y a rien qui me revient en tête. C'est vrai qu'à part la saga Ip Man, dont j'ai parlé la dernière fois, l'inconnu du Nord Express, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose finalement dans la lettre I. C'est assez limité, on en fait le tour rapidement. Mais heureusement, ça n'est pas complètement limité. Parce que j'ai réussi à vous trouver la petite perle qui va vous faire plaisir. Le petit film savoureux du samedi soir qu'on aime bien remater, parce que son cinéaste déjà c'est un génie, qui encore aujourd'hui est parfois un peu incompris, ou mis de côté. Mais en tout cas, une chose est sûre, Invasion Los Angeles ou They Live de John Carpenter est une petite tuerie qui vous fera à la fois rigoler, surtout dans cette période où les conspirationnistes prennent un peu trop de place, et également vous divertira de manière assez conséquente. L'histoire, c'est celle de Nada, qui est un ouvrier au chômage, qui débarque donc dans la ville de Los Angeles, qui va rejoindre un petit groupe un peu à part qui vit dans une petite communauté en bordure de la ville. Et un soir, alors qu'il y a eu une attaque sur une église justement dans ce groupe, il va y découvrir à l'arrière une grosse boîte remplie de lunettes de soleil. Et bizarrement, lorsqu'il met ses lunettes de soleil, il commence à voir le monde différemment. Et je ne vais pas vous dire comment il le voit différemment parce que j'ai pas envie de vous spoiler ce film. Et surtout, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai pas envie que vous perdiez l'essence même d'un long métrage qui est purement et simplement jouissif. Invasion Los Angeles, donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du fossoyeur de film sur le Prince des Ténèbres, c'est un film qui fait donc partie d'une espèce de sainte trilogie où John Carpenter avait envie de sortir des studios. Il avait envie vraiment de s'écarter le plus possible de ce que les gros studios l'avaient obligé à faire parce qu'il avait fait à moitié un burn-out suite à ses premiers films qui sont quand même des grands monuments mais qui ont été compliqués à faire. Et donc du coup, il a fait trois films qui sont donc un peu à part. Il a fait The Fog, il a fait Le Prince des Ténèbres et il a fait Invasion Los Angeles ou They Live. Et Invasion Los Angeles, c'est, on le sent clairement dès les premières minutes, son, si ce n'est son plus caricatural, en tout cas son film le plus tranché en termes de style. C'est vraiment un film qui, là, ne va pas hésiter à surfer sur à la fois un côté un peu, je dirais pas nanardesque, mais un peu décalé, en même temps un côté très sérieux, très premier degré, un côté bis complètement assumé. C'est un film qui va dans plein de directions, Invasion Los Angeles. C'est un film qui à la fois se pose comme étant simplement un petit délire, genre vraiment le délire conspirationniste par excellence, c'est-à-dire nous sommes dominés par des gens supérieurs qui ont fait de notre société un endroit où nous sommes littéralement des esclaves. C'est littéralement ça, Invasion Los Angeles. On va pas se voiler la face. Et d'ailleurs, ça le rend très drôle dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, parce que, vous vous en doutez, je vais l'évoquer, il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui qu'il y a des conspirations assez évidentes, que ce soit autour de la Covid-19 ou autour d'un état souterrain. Qui me fait encore penser que c'est vraiment perché parce que sans la lumière, je pense qu'il y a pas mal d'êtres humains qui arriveraient pas à tenir pas mal d'années. Bref, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, le film joue sur cette idée-là. Et donc, moi je trouve que dans notre époque où tout le monde a envie d'abattre sa petite théorie du complot, où tout le monde a envie de dire ah ouais, mais moi je pense que ça c'est manipulé par ça parce que ça se voit, on le voit dans ses discours, Emmanuel Macron fait une tête, on dirait un petit peu un reptilien ou des trucs comme ça. Et ben j'aime beaucoup cette idée-là, ça me fait beaucoup rire. Donc du coup, j'adore Invasion Los Angeles. Je trouve que c'est un film extrêmement fun, extrêmement drôle, complètement allumé, complètement pété, mais extrêmement jouissif à regarder. C'est un film où la mise en scène de Carpenter est très sobre, mais où elle est d'une efficacité complètement hallucinante. Je trouve que c'est un film devant lequel on ne s'ennuie pas. Je trouve que c'est un film devant lequel on passe son temps à se dire c'est quand même bien marrant, c'est quand même bien fun, c'est quand même vraiment bien foutu. Et au-delà de ça, ouais, c'est vraiment un pur délire. C'est le genre de pur délire qui nous éclate de bout en bout et devant lequel on ne peut pas s'empêcher de se dire « Ah oh non, mais c'est quand même un peu gros, hein. » Non, pas tant. Ah, en fait, ouais, pas tant. Ah ouais, non, en fait, c'est peut-être vrai. Ah, si c'est le cas, ça fait peur. Moi, j'adore cette idée. J'adore cette idée de vouloir jouer sur le spectateur et même dans sa fin, sans la spoiler bien évidemment, le film va pas forcément dans la direction qu'on attendrait. Comme c'était un peu le cas d'ailleurs sur The Fog et Le Prince des Ténèbres. Le Prince des Ténèbres est un film extrêmement frustrant de ce point de vue-là. Je sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler un jour, mais ça a été un film devant lequel je suis ressorti en me disant ouais, tout ça pour ça. Et c'est un petit peu dommage. Là où Invasion Los Angeles, je trouve que Carpenter a vraiment réussi à capter ça. Et c'est pareil un peu pour The Fog. The Fog, c'est un film assez frustrant devant lequel on ressort en se disant,
Ah, c'est bien, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de son délire. Et par contre, Invasion Los Angeles, ben, vu que c'est un délire vraiment très sommaire, très simple, vu qu'il rend ça hyper efficace par l'utilisation de personnages soit caricaturaux, soit très grossiers, soit très clichés, ça rend le truc encore plus fun. En fait, c'est ça qui donne de la saveur à Invasion Los Angeles. C'est qu'encore une fois, Carpenter, il sortait d'une période tellement difficile, tellement dure psychologiquement pour lui, que là, il s'est juste dit, je m'éclate. Je m'éclate et je me fais plaisir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'éclate et il se fait plaisir. Et moi, je trouve qu'il arrive à transmettre parfaitement ça aux spectateurs. Et au-delà de ça, le film, que dire de plus, que ce soit Roddy Piper ou Keith David, Roddy Piper, le mec a une gueule. Il y a les années 80 et 90 imprimées sur sa gueule. C'est extraordinaire. Moi, j'adore cet acteur. J'ai quasiment rien vu d'autre avec lui. Mais dans ce film, il est un personnage complètement inclus dans le long métrage. C'est Roddy Piper, mais c'est également Nada. Et ce qui est génial, c'est de voir qu'il a eu une énorme influence sur la pop culture parce que vous enlevez Roddy Piper de l'invasion de Los Angeles, vous n'avez pas Duke Nukem. Avec ce fameux je viens ici pour mâcher du chewing-gum et botter des culs et j'ai plus de chewing-gum. À partir de ce moment-là, bonjour, j'aime beaucoup Roddy Piper. Et Keith David, c'est un acteur que j'adore, qui est une gueule de cinéma absolument extraordinaire. Et ici, encore une fois, il le prouve à merveille. Enfin voilà. Que ce soit les notes de basse funky de John Carpenter, que ce soit sa mise en scène extrêmement sobre, que ce soit le style de son écriture assez désinvolte et complètement pété, que ce soit Roddy Piper ainsi que Keith David, je vous conseille très fortement, si vous ne l'avez pas vu, de voir Invasion Los Angeles ou V Live. C'est trop bien, c'est fun à regarder. Et ça décoincera peut-être un petit peu le cul de certains qui osent pas trop rigoler des théories du complot, etc. Parce que franchement, là-dessus, on se marre bien. Ainsi s'achève cet épisode 22 au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez à la fois de John Carpenter, mais également tout simplement d'Invasion Los Angeles, avant ou après votre visionnage. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette vidéo. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.